L'amicale des sapeurs-pompiers de Rochefort est déçue. Oui, et même un peu vexée pour tout dire. Depuis des mois, elle préparait pour début août 2015 une grande manifestation pour célébrer le bicentenaire du corps local des sapeurs-pompiers. Elle devait se tenir à la corderie royale de Rochefort avec des démonstrations, des expositions, un bal et des cérémonies officielles avant une soirée son et lumière. Patatras, lors d'une réunion avec les élus rochefortais, ce beau projet est tombé à l'eau. Explication, la ville prépare de son côté un festival programmé aux mêmes dates, les 7, 8 et 9 août. Un événement très ambitieux et qui ne pouvait pas cohabiter avec le bicentenaire des pompiers, selon l'adjoint chargé des animations, Gérard Pont. Et aucune des deux manifestations ne pouvait être reportée. Gérard Pont. Nous aussi, on est très déçus. D'abord de les décevoir eux, parce que je sais ce que c'est de travailler sur des projets, c'est beaucoup de temps passé. Nous avons essayé de mettre les deux manifestations en même temps, mais pour des problèmes de sécurité, nous ne pouvions pas. Nous les avions proposé un autre site qui ne leur plaisait pas non plus. Donc, on essaiera de rattraper le coup l'année prochaine. On leur a proposé autre chose en attendant, mais on se met à leur place, monsieur le maire aussi, et qu'on est très déçus qu'on n'a pas pu réunir les deux soirées.